Alors il paraît que cette nuit aussi a été affreuse pour elle. Ah, décidément. Le fantôme est resté toute la nuit à cheval sur le toit. Il donnait des coups de pied. Il faisait un vacarme infernal et refusait catégoriquement de descendre. J'ai dû prendre des cachets pour dormir. Quant à la pauvre Peggy, chaque fois qu'elle s'assoupissait un tant soit peu, elle avait des cauchemars et se réveillait en poussant des cris. Des cris déchirants. Heureusement que j'apporte un élément au dossier qui, selon le docteur Bordeux, qui ne va pas tarder à venir d'ailleurs, peut être décisif pour notre petite séance. Mais la voilà. Bonjour. Alors, elle fonctionnait cette douche? Ouais, ouais. Ça va mieux alors? Ben, que veux-tu? Raisonnablement, je suppose. Compte tenu du fait qu'un fantôme me harcèle toutes les nuits et veut me ramener dans sa tombe. Voyons, Peggy, essaye de penser à autre chose. Voyons. Non, non, il ne faut pas penser à autre chose. Maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes. Mesdames, monsieur. Madame. Madame. Eh bien, ce n'est pas si mal que ça, après ces épreuves. Vous allez tenir le coup, ma petite. Un petit kir, comme d'habitude, docteur. Kir, 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 vous savez, c'est par souci d'efficacité que je touche à l'alcool. Cette fois-ci. Souvent, ça empêche la concentration nécessaire pour entrer en transe. Mais le fantôme à qui nous avons affaire en est attiré, alors. Vous savez, la grande majorité des clochards sont en réalité victimes d'esprits qui, par ce biais, étanchent leur soif d'outre-tombe. Comme quoi, l'on peut émettre l'hypothèse que la docteur, plupart... Vous devez une explication? Pourquoi la présence de cet objet abominable? Mademoiselle, je vous signale que nous agissons pour votre propre bien. Pour conjurer votre sort, c'est-à-dire le démon qui vous importune, il est nécessaire de provoquer un, comment dire, flashback, permettant de mettre noir sur blanc les faits accomplis afin d'en dissiper les conséquences. Rosebud, la lumière. Je conviens que ça va vous être pénible. Pour moi aussi, ça demande des sensations dont je pourrais me passer. Mais ceci dit, essayons de nous en débarrasser le plus rapidement possible. La lumière! Les mains sur la table. Fermez les yeux et ne pensez à rien du tout.
Encore une fois, au lieu de me supprimer carrément, je choisis la solution la plus lâche, la plus ignoble. La mort, la petite goutte. Un whisky, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Excusez-moi d'avoir interrompu votre monologue intérieur tout à l'heure. J'en ai déduit que vous étiez diacre. Donc vous vous préparez à devenir curé, c'est ça? Nullement. Vous me confondez avec les catholiques. Moi, je suis protestant comme tout le monde. Évidemment, ça ne veut rien dire. Dans l'église protestante règne une telle confusion due à la multiplicité de voix. Je te défie de trouver la différence qu'il y a entre les fonctions du diacre et celles du sacristain. N'empêche que... Ça consiste en quoi, alors, d'être diacre? Je me dessine à rien du tout. J'allume les cierges. Je nettoie les chandeliers. Dans l'église primitive, le diacre était chargé de distribuer les aumônes. Mais maintenant, que veux-tu? Je nettoie la boutique, quoi. Un autre whisky, s'il vous plaît, et une chartreuse verte. Comme diacre, je fais partie aussi du service d'ordre de l'église protestante. C'est pas la paix à l'église. Il y a souvent des bagarres avec les intégristes catholiques. Ils profanent nos églises. Ils souillent nos hosties, qui, étant protestantes, n'ont aucune valeur pour eux. Les imbéciles. Ils ne savent même pas que pour les protestants, le corps du Christ n'est pas dans l'hostie, mais quelque part autour d'elle. Ils croient blasphémer, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Évidemment, avec leur hostie à eux, ils sont plus vulnérables. Des savants américains ont réussi à enlever la cervelle d'un singe et à la garder en vie pendant environ 11 heures. Cette cervelle continuait à fonctionner, donc à penser. Elle a sans doute envoyé des ordres à droite à gauche, mais ces ordres n'aboutissaient à rien, à aucune gueule poussant des cris, à aucun point frappant la poitrine. Pour moi, tu vois, Dieu, c'est ça. Et c'est toi qui le fais pour cette cervelle ensanglantée et isolée dans l'univers? Bien sûr. Ceci dit, c'est pas pour le plaisir que je fais ce boulot. Plaisir, vous avez dit? Vous voulez savoir ce que c'est, le plaisir? Le plaisir est la représentation de l'accord, de l'objet ou de l'action avec les conditions subjectives de la vie, c'est-à-dire avec le pouvoir de causalité d'une représentation par rapport à la réalité de son objet, ou à la détermination des forces du sujet pour l'action qui le produit. Zur Handlung es hervorzubringen. Emmanuel Kant, critique de la raison pratique. Nous allons vous enterrer tous. Chef. Vous êtes intégré, je parie. To the backbone, baby. Quittons ces lieux et allons protester. Pretty, 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 pretty.
Et alors? C'est quand même un peu singulier ce que tu me demandes là. Mais non, ça va ressembler à l'histoire. Allez, viens. Mais chante, que c'est-tu? Allez, chante. Evaire, yel, soin, quare, sin, ke, yel, yo. Sole, na, vore, oland, mito, thios. Sole, na, vore, oland, mito, thios. Quelle heure il est? Il est 10 h. Faut que je m'en aille. Il est parti. Oui. Il est comment, ce mec? Oh, assez bizarre. Il m'a fait chanter. Il m'a dit qu'il viendrait me chercher la veille de Noël pour fêter nos fiançailles. Je lui rive gauche. Il en a acquis les rites, tiens, ta cœur. Tu parles. Quelle charmante rencontre, messieurs. Cui bono. On va voir. Mais dis-nous d'abord, qui a mis les tracts blasphématoires dans les bréviaires de nos fidèles? Ecce homo. Et c'était pas du blasphème. Il s'agissait de réfuter vos théories absurdes sur la grâce antérieure. Je lui ai éclaté la tête.
n'a pas pu l'identifier. C'est un marginal qui a mis fin à sa vie de chien. C'est quand même bizarre, cette nuque cassée. Il se heurtait contre le pont en tombant. Personne ne viendra le réclamer. On peut le filer aux étudiants. Allô? Y a personne à l'appareil. Si, si, c'est lui. Je vois sa moto en bas. Mon manteau, où il est? Il est là. Merci. Eh bien, salut. Salut, amuse-toi bien. Pourquoi tu es tellement en retard? J'ai commencé à croire que tu n'allais jamais revenir. La mort chevauche. Ne vois-tu pas une tache blanche sur ma nuque?
Je vois ce qu'il en est. Descends ici, Pegasus. Je vais virer la moto là-bas. Eh bien, ce café, je l'ai bien mérité, non? Eh bien, ma petite, vous voilà débarrassée du fantôme. Quelques petits détails qui restent à régler. Il faut mettre une roche sur la tombe du diacre pour l'empêcher définitivement de sortir. Autrement, pas de problème. Pas trop serré, s'il vous plaît. Je vous enverrai la facture la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Bien. Allons boire ce café.